portion des Écritures, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 au verset 27, et nous allons prendre encore Genèse chapitre 3, 22, 24. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. J'ai eu la parole du Seigneur, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Amen. Nous prenons Genèse chapitre 3. Amen. À partir du verset 22, j'ai eu la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Après, il prend la coupe, il dit, buvez ceci, c'est mon sang qui sera répandu pour vous. Il dit de faire cela en mémoire de lui. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas compris ce qui s'est passé, ce qui devait se passer par la suite. Et la deuxième partie du texte que nous venons de lire dans le livre de Genèse, nous voyons l'homme a été créé à l'image de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. À sa ressemblance. Tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas été créé à l'image des hommes, ou des stars, ou des hommes, je ne sais pas moi qui. Tu as été créé selon l'image de Dieu. Tu as été calqué que chez Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que moi je suis contre quand quelqu'un dit à l'autre, il dit non, tu es moche. Il ne faut pas dire à quelqu'un qu'il est moche. Alléluia. Parce que tu ne l'as pas créé. Quand tu dis qu'il est moche, c'est-à-dire que tu es en train d'insulter celui qui l'a créé. C'est pour cela, c'est Dieu qui a créé les noirs, les blancs, tout ce monde-là, on peut voir. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et l'homme a péché. La Bible dit, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Dans ces deux arbres, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de vie. Il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent séduit la femme, et la femme aussi a pris l'homme avec lui, et ils ont été séduits tous les deux, et ils ont pris le fruit qui était dans l'arbre du bien et du mal. Ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu, dans sa fureur, Dieu était fâché parce qu'ils ont désobéi à sa parole. Dieu les a chassés. Dieu nous a chassés. L'homme est descendu sur la terre. Et ce que j'aime bien, c'est que Dieu dit. Il dit, mettons les chérubins tout autour. Gardons maintenant l'arbre de vie. De peur que s'ils viennent manger cet arbre-là, ils vont vivre éternellement. Ils ont caché cet arbre. Il y avait une épée. La Bible dit, il y avait une épée flamboyante. Une épée qui est en train de briller tout autour de celui devant l'arbre pour empêcher l'homme de venir prendre le fruit de cet arbre-là. Parce que si le jour il vient, il le touche, il ne mourra plus, il aura la vie éternellement. Alléluia. Je crois qu'on est ensemble. Et l'homme est parti. Mais l'homme, dans sa vie, il cherchait à tout prix Dieu à sa manière. Mais il ne pouvait pas parce que le chemin était bloqué et l'arbre de la vie a été caché, et puis l'homme était livré à lui-même. Du coup, le diable a pris le dessus sur nous. Et le diable a commencé à nous dominer et à dominer sur la terre. Alléluia. C'est pour ça que la Bible déclare, le monde et tout ce qui renferme est sous l'emprise du diable. C'est pour cela, n'aimez pas le monde. Parce que le monde et tout ce qui renferme
est sous l'emprise du diable. C'est le diable qui contrôle toutes choses. C'est-à-dire, il contrôle le monde. Comme je vous ai dit la fois passée, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans toutes choses. Oh, alléluia. Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans toutes choses. Il y a des choses, Dieu n'est pas là-dedans. Mais il voit. Et il contrôle. Et l'homme a été chassé. L'homme vivait à sa manière. Et l'homme souffrait. Et l'homme criait à Dieu. Il y avait tellement des abus. Et le diable nous a rendus captifs. Et nous étions prisonniers. Dieu, dans son amour, là où il était, il dit, mais comment je vais faire? C'est un papa plein d'amour. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est un papa qui a tellement d'amour pour nous. Il nous aime tellement. Dieu t'aime. Et tu peux regarder ton frère, tu peux lui dire, Dieu t'aime. Alléluia. Tu lui dis encore, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus, on ne peut pas parler de ce Dieu sans parler de l'amour, parce qu'il est amour. C'est pour ça que la Bible a dit, il nous a tant aimés. Il a tellement aimé les gens, il a tellement aimé le monde, il a tellement aimé l'homme. Vous savez, je vais vous dire une chose. Même au ciel, ça étonne les anges. Comment Dieu peut nous aimer tant? Nous sommes inférieurs aux anges. Nous vivons un petit temps sur la terre. Mais comment Dieu peut tellement nous aimer? Avec nos fautes, avec nos défauts. Mais Dieu a toujours l'œil sur nous et il nous aime toujours. Et au ciel, je vais vous dire, les jours où Dieu nous créa, Dieu a vu que tout était très bon. Et Dieu s'est reposé. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu s'est reposé. La Bible déclare que nous sommes une créature si merveilleuse. Et Dieu nous aimait tellement. Et Dieu était dans la joie. Et les anges étaient en train d'acclamer. Il dit, voilà, voilà la créature de Dieu. Nous étions, comme on dit, le Banatsuka, les derniers. Dieu nous a créés. L'homme et la femme. Dieu nous a créés. Et Dieu, quand il regardait, il était content. Du coup, l'homme a péché. C'était une sorte de tristesse dans le ciel. C'était la fierté de Dieu qui était bafouée. Oh. C'était la fierté de Dieu qui était bafouée. Et le diable était dans la joie. Il dit, voilà, j'étais blessé. Dieu était blessé. Je vais vous dire une chose. Dieu n'était même pas blessé quand le diable s'est rébellé au ciel. Dieu était blessé parce que l'homme a été séduit par le diable. Dieu était mal à l'aise. Dieu était triste, tout triste là où il était. Et les anges, vous allez voir ça dans la Bible, il n'y avait plus la joie au ciel. Je crois que chaque jour, il était là. Où sont ses enfants? Il a dit ça dans le livre de Fils prodigue, dans la parabole de Fils prodigue. Les papas, chaque jour, chaque matin, ils sortaient pour regarder si quelqu'un allait venir. Mais ils ne pouvaient pas venir parce qu'il y avait le chérubin et il y avait une épée flamboyante. On ne pouvait pas accéder là-bas. Silence radio au ciel, tristesse. Dieu cherche encore l'homme. Il a commencé à envoyer les gens. Nous connaissons la parabole du bon samaritain. Alléluia! Le bon samaritain. Le monsieur qui était à Jérusalem, il a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Et en descendant de Jéricho, on l'a roué de coups. On l'a frappé. On l'a tellement laissé pour mort. Et les gens passaient et ils ne pouvaient pas les sauver. Dieu a commencé à travailler avec les hommes. Commencé à toucher quelques-uns. Ils ne pouvaient pas nous sauver. Noé était incapable de nous sauver. Oh, alléluia. Seth était incapable de nous sauver. Abraham lui-même ne pouvait pas nous sauver. Personne, les prophètes ne pouvaient pas nous sauver. C'était tellement lourd. Le prix à payer, c'était tellement lourd pour toi et moi. Alléluia. Je vais te dire, tu pèses lourd. Amen. Dis à ton frère, je pèse lourd. Regarde les doigts dans les yeux, dis, je pèse lourd. Souvent, même si les gens ne te respectent pas, les gens te regardent avec dédain, mais mets-le dans ta tête, dans ton cœur, tu as un prix. Amen. Tu pèses lourd. Et pour nous sauver, Abraham ne pouvait pas nous sauver. Pour nous sauver, Noé ne pouvait pas nous sauver. Parce que dans la balance, Noé était léger. Abraham était léger. Le prophète était léger. Il ne pouvait pas nous sauver ces jours-là. On dit, mais maintenant, qui peut le sauver? Qui peut descendre? Jésus dira, je viens. Mais voici Seigneur. Je vais aller le. Oh, je la au Bethlehem, ma beau. J'aurais allé crier. Jésus vient. Il dit, moi,
je vais relever le défi. Les anges ne pourraient pas nous sauver. C'est pourquoi je me pose des questions quand des gens aujourd'hui parlent des anges. On ne peut pas parler des anges. Ah non! Dieu nous a donné le plus précieux. Son nom est Jésus. Aujourd'hui, les gens invoquent encore des anges. Tu n'es pas chez nous. Dieu t'a déjà donné Jésus. Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Comment tu peux demander encore des anges? Tu ne sais pas que ce sont des collègues. Nos compagnons. Hein? Alléluia. C'est pour ça que je t'ai dit, tu as un prix. Dis, j'ai un prix. Je pèse. Grâce à Dieu. Pour nous sauver, Dieu devait lui-même descendre. Il dit, tu m'as fait un corps. Et Jésus est descendu. Parce que l'arbre de vie était bloqué. Et la Bible dit, ils ont mis des anges, des chérubins, et il y avait une épée, parce qu'on ne pouvait pas passer par là. Et Jésus vient, il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, je suis le chemin. Le chemin est venu maintenant pour nous dire, écoutez, voici le chemin à suivre. Vous étiez perdus, vous ne connaissez pas le chemin, c'est moi le vrai chemin. Il dit, venez, je suis le chemin. C'est pour ça qu'il vient, il dit, je suis le chemin. Et il nous a ramené la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, venez à moi. Quiconque viendra à moi ne mourra pas, mais aura là la vie éternelle. Il a prêché la parole, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il fallait accomplir toute chose. Parce que quand je discute même avec nos frères musulmans, ils disent, écoutez, Jésus est venu pour le juif. Oui, mais ça lui était d'abord pour les juifs. Alléluia. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point. Et après, comme ils l'ont rejeté, après il a fait quoi? Oh, alléluia. Dans le livre des Jean, Jean chapitre 1, hein? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point. Et après, qu'est-ce que la Bible dit? Et à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que quelqu'un qui a reçu Jésus ici? Ah, la grâce qu'on va sauter. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Jésus, ce jour-là, il est venu. L'arbre était caché. Et ce jour-là, l'arbre est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui avons choisi l'arbre. C'est l'arbre, parce que nous, en Éden, on n'avait pas choisi l'arbre. Nous avons choisi l'arbre de la mort, connaissant de la mort, du bien et du mal. Mais ce jour-là, l'arbre de vie est descendu vers nous. Amen. Jésus dira dans Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep. Le cep, ça vous voulait dire simplement, je suis l'arbre. Amen. L'arbre là que vous avez loupé pour avoir la vie, c'est moi. Amen. Celui qui mangera mon fruit ne mourra pas, Amen. Mais vivra éternellement. Amen. Et l'arbre là est venu. Maintenant, pour rendre toutes choses, tout était bloqué. Il vient, parce que pendant que Jésus, on a arrêté Jésus, on était en train de le torturer. Il y avait une réalité spirituelle. Il y avait des réalités terrestres, mais il y a aussi des réalités que toi ou moi, on ne comprend pas. Dieu, c'est un fait stratège. Dieu fait des choses, les gens ne comprennent pas. Même les diables ne peuvent pas comprendre. Même les anges ne comprennent pas Dieu. Quand il fait des choses, personne ne peut les comprendre. La Bible dit, il est tellement grand et sa grandeur nous échappe. Il est tellement mystique, il fait tellement de choses, ça étonne même. Et ils ont arrêté Jésus. Pendant qu'il a arrêté Jésus, pendant qu'il était en train de flageller Jésus, il y avait quelque chose Jésus était en train de faire. Jésus est ressuscité. Pourquoi? En venant, Jésus nous a ramené la bonne nouvelle. Amen. En venant, Jésus voulait rétablir les liens entre le Père et nous. Oh, quelqu'un peut dire amen. En venant sur la terre, Jésus est venu prendre et payer le prix pour nous. Parce que nous étions captifs, nous étions comme des otages. Et le diable a dit, pour les libérer, il faut un prix. Toi, viens ici. Dans le livre d'Apocalypse, si quelqu'un peut préparer ça, Apocalypse chapitre 5. Donc, pendant qu'il était Jésus, il y avait une réalité au ciel. Ils ont pris Jésus. Ils étaient en train de le flageller. Ésaïe dit ceci. Oh, pendant Ésaïe 53 dit. Oh, pendant qu'on était en train de le flageller, c'était nos souffrances qu'il prenait. Oh, alléluia. Les châtiments qui devaient tomber, c'était pour nous les châtiments. C'était réservé pour toi et moi. Mais Jésus l'a accepté.
Et pendant qu'ils étaient en train de torturer Jésus, et ils croyaient qu'ils étaient en train de torturer un imposteur, oh, Jésus est en train de payer le prix pour nous. Oh, je vous dis une chose. Si le diable savait que Jésus est en train de rendre toutes choses parfaites, il allait laisser Jésus. Vous savez, imaginez un peu si on laissait Jésus. On ne le tuait pas. Donc, Jésus, sa mission devenait inutile. Donc, Jésus allait grandir. Parce qu'il était humain, hein, aussi, hein. Amen. Donc, il allait grandir jusqu'à ce que Jésus allait devenir vieux. Amen. Oui. Il allait devenir vieux et mourir. Akoufiye Mougo. Mais le diable ne peut pas comprendre. Si le frère de Joseph savait, en vendant Joseph, il va devenir ce qu'il allait devenir, il n'allait pas le vendre. C'est pour ça que nous prenons tous ce chemin du Seigneur. Ça, c'est une parenthèse. Tout ce qui t'arrive là, des fois tu te poses des questions, mais comment cela, mais comment c'est fait, ces choses-là m'arrivent. Dieu permet certaines choses, c'est ton chemin qui te ramène vers ta destinée. Alléluia. Pendant que Jacques ne veut pas de toi, tu commences à pleurer, à pleurer, à pleurer, jusqu'à remplir, à remplir un seau. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi tu veux pleurer jusqu'à remplir un seau. Tu ne sais pas qu'il y a un Hervé qui t'attend. Si Jacques est là, Hervé ne viendra pas. Oh, alléluia. Je vais vous dire une chose vraie. C'est pour ça que si quelqu'un ne veut pas, chrétien, quittons dans ces choses-là. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Je ne sais pas si je parle à qui. Quitte dans ça. Si quelqu'un veut de toi, qu'il vienne voir tes parents. S'il ne veut pas, c'est là seulement pour marcher avec toi comme ça. Ça ne sert à rien parce qu'il est en train de te bloquer pour rien. Il y a un Hervé qui te voit, mais toi, tu le bloques. Alléluia. Oh, dis, mon frère, ne me bloque pas. Alléluia. Tu peux aller de l'avant. Et Jésus a payé le prix. Pendant qu'on frappait Jésus, c'était nos souffrances qu'il portait. Pendant que son sang coulait, c'était pour nous sanctifier. Et le diable est en train de le crucifier, il est en train de le frapper encore. Oh, Jésus est en train de rendre les choses parfaites. Il y avait la scène au ciel. Livre d'Apocalypse, chapitre 5, dit ceci. Il y avait un livre, quelqu'un qui était assis sur le trône. On parle de Dieu. Les livres étaient fermés et scellés. Ces livres-là, c'était la destinée ou le futur de toute l'humanité. Tout était bloqué. Il y a un ange puissant qui disait, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre. Et ça. Il n'y avait personne pour le faire. Et Jean a commencé à pleurer. Parce que Jean a vu la tristesse qu'il y avait. Au ciel, tout était calme, tout était triste. Tout était calme et tout était triste. On se pose des questions, mais qui peut sauver l'humanité? Et du coup, il y avait un vieillard qui dit, écoutez, Jean ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. Et lui s'est levé, un lion conquérant. Il est venu pour prendre les livres qui étaient dans la main de celui qui était assis sur le trône. Il dit, moi, je vais l'ouvrir et rompre le sceau. Et pendant qu'il regardait, il a vu un agneau qui était comme immolé, c'est-à-dire un agneau sacrifié, comme sacrifié. C'était Jésus qui était là. Jésus a pris ta place. Et en prenant notre place à nous, on l'a sacrifié. Il est monté à la croix. L'arbre qui était caché hier, l'arbre a été ouvert au chacun. Il est à Golgotha. C'est pour cela que Moïse a compris. Quand Dieu dira à Moïse, élève le serpent des reins dans le désert, quiconque regardera ce serpent ne mourra pas, même s'il est mordu par celui-ci. Ce dernier, il ne mourra pas. Et l'arbre qui était là, Jésus était dans l'arbre, pour dire, écoutez, l'arbre qui était caché hier, l'arbre est aujourd'hui révélé. Il dit, voilà, je suis au devant de vous. Fixez seulement les regards vers moi. Hébreux 12 dit, ayons les yeux fixés vers Jésus, rien que sur Jésus, en regardant qu'à Jésus, le Seigneur auquel notre nom se tient dans le nom de Jésus. Un pasteur ne peut pas sauver, une église ne peut pas sauver, une dénomination ne pourra pas sauver. Le salut est qu'en Jésus-Christ. Et quiconque regarde en Jésus ne mourra pas, mais aura la vie éternelle. C'est pour cela, moi je pose la question, comment les gens peuvent regarder encore aux hommes?
les hommes nous trahiront toujours. Les hommes ont des limites. Alléluia. Alléluia. Moi qui vous parle, je suis le premier. Moi, tous les hommes que j'ai mis en piédestal, j'ai pris comme modèle que je pourrais quand même rêver. Ces gens-là m'ont trahi. Pas trahi, mais ils m'ont déçu. Et j'ai compris que c'était une illusion. J'ai baptisé sur le château des cartes. Sur le sable. C'était comme le château des cartes. Un jour, j'ai dit au Seigneur, mais si l'évangile est comme ça, Seigneur, laisse tomber. Je laisse. J'ai fermé la Bible un jour. J'ai dit, je ne prêcherai plus. C'est fini, moi et la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur m'a repris, m'a dit, ce n'est pas moi qui a trahi. Alléluia. Les hommes trahiront toujours. Moi, je n'ai jamais trahi. Je n'abandonne jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le pasteur trahira. L'homme peut trahir, peut faillir. Parce que l'homme est faillible. Mais Jésus est infaillible. Et il a rempli complètement, il a interprété le rêve du Père. Et il est monté à la croix. Et en montant à la croix, il a dit, tout est accompli. Pendant qu'il était à la croix, Jésus est en train de te voir. Ah là 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 là. Tel n'est pas encore rentré au ciel. Ce n'est pas possible, il faut qu'il vienne. Tel là-bas, il n'est pas encore rentré au ciel. Parce qu'avant qu'on devienne chrétien, le Seigneur nous a choisis. La différence entre le christianisme et les autres religions, je vous dis c'est quoi? Les autres religions, c'est quoi? C'est eux qui vont vers, ils adhèrent dans cette religion. Mais le christianisme, sois fier d'être chrétien. Oh, je parle à un chrétien. Amen. Sois fier d'être chrétien. Être chrétien, c'est quoi? C'est Dieu qui est venu vers nous. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Je me pose la question, quel sort de critères? Pourquoi Dieu l'a choisi, toi? Alléluia! Quand je vois les gens font les élections, il est élu. Voilà comment il est content. Bon, toi, je te dis, tu es élu. Amen. Je t'appelle même honorable. Amen. Honorable sénateur ou sénatrice. Amen. Tu as été élu. Amen. Nous avons été élus. Je ne sais pas par combien de voix, par quels critères, Jésus nous a choisis, mais il nous a aimés le premier. La Bible dit, quand il était à la croix, il a rendu l'âme. Beaucoup de gens croient, les Romains croyaient qu'ils ont tué Jésus. Comment pouvez-vous tuer quelqu'un qui s'appelle la résurrection et vie? Lui-même a dit à Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Comment on peut tuer Jésus? Jésus ne l'a pas tué. La Bible dit, il a rendu l'âme. Il dit, Père, entre tes saintes mains, je remets mon... Donc, quelle est cette personne qui a déjà dit ça va le mourir? Alléluia. Il y a que Jésus qui a dit ça. Père, je rends... Il a dit, j'ai le pouvoir de donner la vie et de le reprendre. Qui peut dire ça si ce n'est Dieu lui-même? Alléluia. C'est pour ça que nous avons un grand Dieu. Et il est monté à la croix. Il a rendu l'âme. Il dit, Père, entre tes saintes mains, je rends mon âme, mon esprit. Et il a dit, tout est accompli parce que tout était parfait. Mais il n'était pas fini là. Comme il était là, il est parti maintenant dans les régions inférieures de la terre. Aller terminer avec là-bas. Le dernier ennemi qu'on avait, son nom c'est la mort. Dis avec moi la mort. Dis avec moi encore la mort. Vous savez, tout le monde dit, si vous êtes dans toutes les religions, même les gens qui sont même élevés dans des mystiques, ils te diront la mort, c'est un mystère. Alléluia. La mort est un mystère. Mais moi, je te dis, chrétien, la mort n'est pas un mystère. Amen. Jésus a démystifié la mort. Amen. La mort, pour nous, c'est pour ça que Jésus avait déjà dit ça avant. Lazare est mort. Il dit, il n'est pas mort. Il dort. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que quand je vois des chrétiens, un chrétien, on dit, il est mort. En réalité, on ne meurt pas, mais on dort. Mais regardez les chrétiens, comment ils sautent et ils tombent par terre. Ils ne veulent plus manger ni brosser les dents. Alléluia. Comme les païens. La Bible dit, ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Quand la Bible parle ici, parle des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons l'espérance en Jésus. La mort n'est pas la fin de soi ou la fin de toute chose. Non, la mort n'est qu'un passage. Oh, alléluia. Parce que quand on meurt, on va dans les lieux de repos. Amen. Nous, on va se reposer pour entendre l'enlèvement. Amen. Est-ce que je peux dire amen avec moi? Amen. C'est pour ça que la mort, Jésus a démystifié la mort. Il est descendu sur la terre. Il a trouvé la mort.
Il dit, mort, viens ici. Il est parti le chercher dans sa demeure. Il dit, mort, viens ici. Quand mort a entendu Jésus, vous savez, la mort avait une aiguille. Cette aiguille-là, c'est ça la force de la mort. La mort, on a peur de la mort à cause de son aiguille. S'il vient seulement, au nom de Jésus, hein, ça ne touchera pas. Amen. S'il vient, il fait poup, tu pars. Poup, tu pars. Poup, tu pars. Jésus vient, avant de mourir, il dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Oh. Comment on ne peut pas mourir? Il dit, celui qui croit en moi ne verra pas la mort. Parce que la mort, quand il vient, poup. Et ces jours-là, quiconque, quand il meurt, la mort vient pour le prendre. Oh, Jésus ne pouvait pas mourir. Dans la croix, il n'était pas mort. Lui-même a dit, j'ai rendu mon âme. Et la mort croyait que maintenant, il va prendre Jésus pour le manger. Il ne vient pas. Jésus l'a bloqué. Jésus l'a bloqué. Il dit, mais... Il dit, mais toi, c'est qui? Oh, la mort ne pouvait pas. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, mort, où est ta force? Qui t'a vaincu? Et j'ai dit, il a brisé cette aiguille-là. C'est pour ça qu'il dira, j'ai la clé de la vie et la mort entre mes mains. Il a pris sa coupe. Donc pour mourir maintenant, ça dépend de Jésus. Même si la mort vient à ta porte, si Jésus dit nada, nada, la mort peut être là. Si Jésus dit niente, niente, la mort peut être là. Si, oh, alléluia. Si Jésus dit non, non, en soi, il ne dit quoi pas là. C'est pour ça que la mort n'a plus de force. Christ est venu ce jour-là. Il est parti chercher les gens qui étaient captifs dans les cachots là-bas. Il a commencé à sortir un à un. Il dit, il est où Noé? Sors. Il est où Abraham? Sors. Il est où Sarah? Sors. Gédéon, David, sortez. Jésus est venu nous libérer de la puissance de la mort. Il est venu nous libérer de cette prison. C'est pour ça le jour de la résurrection, la pierre qui était le grand malade dans la porte, la pierre a été enroulée. Maintenant, le tombeau est vide pour te dire que maintenant tu as la vie en Jésus-Christ. Le tombeau est vide pour dire quoi? Quand il est sorti avec toi. Il est sorti même à tous ceux qui étaient enfermés là-bas. Ton mariage qui était enfermé là-bas, Jésus est ressuscité avec ça. Ta maladie, Jésus est ressuscité avec ça. Ta pauvreté, Jésus est ressuscité avec ça. Ta bassesse, Jésus a pris ça, il est ressuscité avec ça. Ce que j'aime bien avec Jésus, il n'est pas seulement ressuscité. Mais la Bible dit, il est monté. Jésus est monté comme une fusée. Paf, comme ça, vise. Et la Bible dit, la même manière qu'il est parti, la même manière, il reviendra. Et Jésus est monté. Il n'est pas seulement monté, mais maintenant, il est à la droite du Père. La Bible dit, quand il a pris les livres, dans l'Apocalypse, du coup, les vieillards ont commencé à chanter. La Bible dit, ils avaient tous des harpes et ils avaient des vases. Ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. Oh, c'est matin, c'est pour ça que quand on célèbre Dieu, comment tu peux être assis quand nous célébrons le ressuscité? Comment tu peux regarder tes ongles quand nous adorons Jésus? Comment tu peux être qui dit, bah, comment ça? Ils ont commencé à célébrer Dieu, ils ont commencé à célébrer Jésus. Ils ont commencé à chanter un nouveau cantique. On dit à celui qui est assis à la droite du Père, qui reçoive la gloire, l'honneur. On lui donne tout cela, la richesse. On dit à celui qui sortait là-bas, l'agneau qui était là, il avait sept cornes. La corne, c'est un signe de la puissance, de force. Oh, Jésus avait sept cornes. Pourquoi on dit sept? Ça, c'est la perfection. Ça veut dire que Jésus est le Tout-Puissant. Il avait sept yeux. Sept yeux, ça veut dire quoi? Il voit tout. C'est ce qu'on appelle, il est omniscient. Dieu voit tout et il connaît tout. Donc nous sommes entre ses saintes mains. Il a pris le livre. Maintenant ton sort, mon sort, nous qui croyons son nom, c'est entre ses saintes mains. Personne ne peut nous faire du mal. Personne n'a le pouvoir sur nos vies. Personne ne peut décider sur toi. Pourquoi tu ressasses toujours le passé? Ça c'est l'ennemi, bien-aimé. Pourquoi tu regardes tout ce que tu étais hier? L'ennemi te dira toujours, voilà ce que tu étais hier. Il te donnera toujours l'ancienne identité. Alléluia. Les gens qui voyaient Pierre, ils disaient toujours à Pierre, toi tu es pêcheur de poissons.
Alléluia. Mais quand ils ont vu les choses de Dieu en Pierre, ils ont dit non, c'est un serviteur de Dieu. Les gens parlaient tout de Jésus, c'était un charpentier. Mais lorsqu'ils ont vu sur la croix, ils ont cru, ils ont dit, écoutez, il est réellement le Fils de Dieu. Pourquoi tu ressasses toujours ton passé? Pourquoi tu ne crois pas que tu es quelque chose? Jésus a dit, tout est accompli. Il est ressuscité avec toi. La Bible dit, pendant qu'il est monté, écoute ce que la Bible dit. Jésus, à la droite du Père, il a fait quelque chose pour nous. Il a fait de nous des rois. Ah ben roi. Il a fait de nous un royaume. Tu portes à toi une couronne. Il a fait de nous des rois. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais il est monté, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Et nous régnerons pour toujours. Est-ce qu'il y a une roi ici? Un roi ici. Si tu as la roi, regarde maintenant un roi que Jésus a sauvé sur la terre parce qu'il manque 100 francs. La Bible dit, il était là. Il était là au trône. Les 24 vieillards, ils avaient tous chacun une harpe. Ils avaient aussi un vase. Ce matin, moi, j'ai eu ma harpe. C'est pour ça que moi, j'ai dit à Dieu, je vais rester toujours chantre. Chantre de l'éternel. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux, mais moi, mon tam-tam, je le jouerai toujours. Toi qui fais le tam-tam, fais le bien. Toi qui chantes, fais le bien. Parce qu'au ciel, il n'y a que ça. Vous savez le jour où Paul et Silas étaient dans la prison? La Bible dit, ils priaient et ils chantaient des cantiques. Qu'est-ce qui s'est passé après? Non. Il y a eu un grand bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fondement de la prison, c'était... Non, les chaînes, c'était après. Le fondement était ébranlé. Vous savez pourquoi il était embralé? Un ange ne peut pas embraler comme ça. C'est Dieu. Pendant qu'il dansait. Je ne sais pas, c'était les talons de Dieu. Ah, Koumama, Koumama, là, bah! Oh, alléluia! Bah! Prison, tout! Il est ressuscité! Il a changé notre identité! Nous ne devons plus avoir honte! Chrétiens, parlons de Jésus! La Bible dit, nous mangeons son corps, nous buvons son sang, nous allons proclamer son avènement ainsi que son retour. N'ayons plus honte de Jésus. Parle de Jésus, tu es affranchi. N'ayons plus honte de famille. Je ne sais pas moi, les lois des familles, les lois établies. Jésus a vaincu cela. La Bible dit, quiconque croit en Jésus ne mourra pas. Quiconque croit en Jésus n'aura plus hâte de fuir. C'est une pierre solidement posée dans Sion. Son nom est Jésus. Où est-ce? Pourquoi tu as toujours peur? Qui te dit que dans la maternité, là, c'est fini? Alléluia. Alléluia. Non, les listes de mariés, c'est fini. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le Seigneur, ils ont des soucis pour le mariage. Cherche d'abord celui qui donne le mariage. Je vais vous dire une chose. Tu cherches d'abord le mariage. Vous savez, à un certain moment, le vin va finir. Tout n'a pas été baba lana. Ça arrive un moment, si Jésus n'est pas là. Ça commence bien sucré. Ça devient ngaï. Mais tu dis quoi? Amer. Après, ça devient comment? Bololo. Après, ça devient aigre. Avant, c'était comme ça. Bébé. Alléluia. Souvent, c'est comme ça avec des bébés. Bébé. Bébé, tu sais, bébé. Ah, bébé, s'il te plaît, bébé. Moi, les bagouka. Charlie. Charlie aussi. Quelques temps après. Yo. Non, ça commence comme ça. Donne-moi du sel. Ça lave. Après, comme ça. Yo. Les hommes changent. Au départ, vous êtes comme les deux tourteaux. Chérie, on dirait beaucoup fera aller le bidon. Demain, il part. Je vais vous dire une chose. Ne cherche pas d'abord le mariage. Cherche Jésus qui donne le mariage. Vous savez, le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le tient. Mets Jésus au centre de ta vie. Mets Jésus au centre de tes études.
Mets Jésus au centre de tes affaires. Mets Jésus au centre de l'église, d'assemblée. Mettez Jésus. Si vous mettez, vous élevez un pasteur, le pasteur finira par tomber. Et lorsque le berger sera tombé, brisé, et la bergerie se dispersera. Alléluia. Alléluia. Regardez à Jésus. Et on ne sera plus dans la confusion. C'est pour ça aujourd'hui, c'est le jour de Jésus. Où nous voulons simplement célébrer son grand nom. Il nous a fait du bien. Il a laissé le tombeau pour dire encore, il y a encore de l'espoir. Dis à ton frère, il y a encore de l'espoir. Dis à lui, il y a encore de l'espoir. Dis mon frère, ne pleure pas. Oh, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Mon frère, ne pleure pas. Ma soeur, ne pleure pas. Il y a encore de l'espoir. Pour dire qu'il est vivant, il est parmi nous. On peut acclamer très fort le Seigneur. Chosen generation, we've been called for to show you.